Et bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes encore avec torquin bien évidemment, pour un nouveau tutoriel sur bah, un peu comment monter en ladder. Et pour ce faire, bah, nous présentons des decks, hein, bien sûr, très régulièrement. Et aujourd'hui, bah, on va parler du deck Druid Ramp. Donc, qu'est-ce que le Druid Ramp Déjà, on va aller sur le deck. Alors, le Druid Ramp, c'est un. Le rampant, on l'a appelé ce deck d'ailleurs, c'est un principe très très particulier. C'est en fait un druide, mais ultra ultra late game, tout simplement. C'est vraiment un deck où on va mettre énormément de grosses cartes, de grosses légendaires. Et par l'intermédiaire de cartes comme la croissance sauvage, par exemple, on va tenter d'arriver le plus vite possible à ces légendaires. Alors, bien évidemment, le deck là est adapté à la méta actuelle. Il y a quelques changements possibles en fonction des metagames. Par exemple, quand il y avait avant le nerf du mage, vous savez certainement que le, nerf... le mage a été nerf récemment, bien sûr. Et du coup, avant ce nerf, ben, on jouait beaucoup de heal dans ce deck. Moi j'avais les prophètes du cercle terrestre, j'avais les. Comment ça s'appelle Alors, j'avais ça, attendez, le heal là. Toucher guérisseur, voilà très bien. Et donc voilà, je les ai enlevés parce qu'il y a quasiment plus de mage euh, en ce moment, du coup évidemment, c'est plus trop d'intérêt de jouer ces cartes à hein, ma foi. Et euh, pour les remplacer, moi, en ce moment j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de démonistes agro beaucoup de guerriers, donc toutes ces cartes euh, plutôt, euh, plutôt agressives hein, je trouve. Et ben moi j'ai mis les guetteurs anciens, les protectrices solfury. Les Défenseurs d'Argus C'est vraiment des cartes qui vont nous permettre de temporiser On va pouvoir donner le taunt aux guetteurs anciens En début de partie et ça va vraiment être très 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 fort Même en late game à donner des taunts contre les rocs, contre les démos Il y a beaucoup de rocs, il y a beaucoup de démos Du coup c'est vraiment fort de pouvoir temporiser grâce à ces cartes Ça remplace un peu les heals quand on... c'était le mage en face tout simplement Et donc c'est plutôt plutôt pas mal je pense Alors après évidemment euh, qu'est-ce qu'on a dans ce deck Alors pour arriver plus vite à nos gros tons, On a mis deux innervations euh, Innervation, c'est un choix, c'est pas obligé de les mettre C'est pas mal ça, si on les a, en fait, si on les a en début de partie, c'est très très bien. Si on les a en fin de partie, bah, on n'est pas content de les tirer et on est même très déçu de les tirer. On les a quand même mises, on a choisi de les mettre, c'est un choix. Euh, c'est un choix. On a la griffe x2 et la colère x2. Alors, ça, ça va beaucoup servir contre les démos agro, contre les rogues, contre toutes les classes agressives en début de partie. Ça va permettre de temporiser en général de vous faire gagner la game assez facilement la plupart du temps. On a mis la chasse au gros gibier, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de druides aussi donc euh, même euh, même il y a beaucoup de Ragnaros de toute façon quoi qu'il arrive et donc ça défonce tous les Ragnaros et c'est vachement fort c'est dans le miroir c'est extrêmement fort donc c'est très très bien on a mis évidemment deux balayages hein, toujours pour les decks agro hein, même pour tous les decks c'est vraiment très fort ça permet de clean, euh, clean le board de temps en temps c'est très très bien on a mis deux gardiens du basket parce que c'est une des meilleures cartes du druide donc bien sûr on a il est très polyvalent vraiment une excellente carte ça permet de silence ça permet de, de faire l'effet d'un commando foudre d'un commando foudre pique et c'est vraiment très 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 bien druide de la griffe euh, indispensable, on s'en sert quasiment tout le temps en taunt. Vous le verrez, c'est très rare qu'on utilise la charge. On utilise la charge pour finir un adversaire en général, sinon on l'utilise que en taunt quasiment. Très bien. Sylvanas, toujours pareil, indispensable dans tous les decks. Le chevalier noir, et eh bien ça c'est très bien parce qu'en ce moment il y a beaucoup de druides, comme je le disais, et donc c'est spécialement pour les matchs miroirs. Ça est vraiment. c'est ça fait vraiment le café hein. quand vous avez un truc qui vous met l'ancien de la guerre qui est excellent d'ailleurs. Vous le faites le chevalier noir en général, c'est la victoire derrière et c'est très bien. On a mis un ancien de la guerre, un ancien du savoir. L'ancien du savoir il donne un peu de pioche. L'ancien de la guerre il donne vraiment un très très gros taunt Après c'est un choix, ça ça dépend des métagamions. On peut aussi mettre deux anciens de la guerre ou on peut aussi mettre deux anciens du savoir. On peut moduler tout ça. Et enfin on a le trois légendaire. On a Ragnaros. Comme d'habitude, Isirak, comme d'habitude, et on a mis scénarius, Pourquoi scénarius Parce que moi je trouve ça bien. Écoutez, ça rajoute des tonnes de sur la table et c'est plutôt pas mal pour la temporisation contre les decks très agressifs. Même si tour 9 on temporise plus trop, après ça peut arriver que les games s'éternisent, hein, bien sûr. Et donc, et c'est donc, très bien. Moi j'adore le deck Utori personnellement. Les games elles sont longues, c'est vrai. Si on aime les games courtes, je vous conseille plutôt mon deck Murloc, ça c'est sûr, ou mon deck Démoniste agressif. Euh, néanmoins, c'est vraiment un autre style de jeu, c'est vraiment très bien. Vous allez le voir, on va faire comme d'habitude dans la deuxième partie des games de test, hein, bien évidemment. Et donc, c'est vraiment un très très bon deck que je vous conseille de tester. Après, voilà, le problème c'est qu'il coûte très très cher. Donc, il faut avoir déjà pas mal de poussière pour pouvoir jouer ce deck. Si vous n'avez pas beaucoup de poussière, ça va être très compliqué pour vous. Parce qu'on ne peut pas remplacer vraiment euh, l'ancien de la guerre, l'ancien du savoir, Ragnaros, Scénarius, Isera, on peut pas vraiment les remplacer. Vraiment pas. Autant Sylvanas on peut s'en passer, le chevalier noir on peut s'en passer dans le deck, mais les gros tons, faut vraiment, euh, ces 5 là faut vraiment les, essayer de les avoir dans le deck, sinon c'est très très dur, très très dur. Alors les match-ups en Druid On a des match-ups assez favorables, c'est-à-dire tout, enfin, tout ce qui est contre mage, maintenant les mages on, on les déglingue, à part si c'est des mages très agro qui sortent très bien. Mais ce qui est bien avec ce deck c'est que c'est fort contre les démonistes agro, c'est pas mal parce que ça peut vraiment, vraiment permettre de temporiser grâce à la griffe, la colère, et le balayage c'est vraiment très très bien, on a mass Taunt en plus, donc ça temporise contre les rocs, contre les démos Contre tout ce qui est aggro, contre les wars c'est bien aussi le Druid Ramp absolument euh, Contre le Chaman c'est pas mal parce que Le Chaman qui est là pour contrer les jeux aggro, vu que nous on a un jeu très très lent, bah, le Chaman doit venir un peu s'empaler tout simplement sur Sur notre deck et c'est plutôt plutôt cool je trouve Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a euh, le Prêtre, bon le Prêtre c'est assez kiff kiff hein, parce que le Prêtre c'est très très lent également Et nous sommes également très lents donc euh... Déclan contre déclan, euh, c'est celui qui tire les légendaires en premier, on va dire, techniquement. Et vu que nous, on a la croissance sauvage qui nous aide, on est vraiment, je trouve qu'on est avantagé contre le prêtre, et c'est vraiment bien. Alors, la force de ce deck, c'est vraiment quand on va réussir à tirer les croissances sauvages ou les innervations en début de partie, ça va vraiment nous donner un gros coup de boost. Et si vous allez le voir dans la partie où nous allons jouer, ça va vraiment, je pense, euh, ça va vous, ça vous prouver que c'est très très fort. Évidemment, la mi Faire il faut à deux, pourquoi Parce que quand on arrive à le mettre en début de partie, c'est extrêmement fort, surtout contre les mages, les démonistes et les prêtres, ça permet le, de fixer un peu le board. Et en général, ça permet de, de casser un peu l'agression adverse et c'est plutôt plutôt pas mal ma foi. Donc voilà, ça c'était la présentation du deck, comme d'habitude. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie où ma foi, eh bien, nous allons euh, tester ce deck en ladder. Donc ça va être très très bien. Donc restez avec nous pour la deuxième partie. à tout de suite.